que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de DIY. J'avais tellement hâte parce que ça fait full longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Mais là, soyez assurés, je vais en faire plein d'autres. J'ai plein de vidéos de DIY de prévues. Donc là, c'est des petits DIY pour votre chambre ou pour votre bureau. Peu importe la pièce où vous aimeriez mettre ces DIY-là. Mais c'est des DIY déco, girly, cute, vraiment utiles en plus. J'ai plein d'autres vidéos DIY de prévues dans les prochaines semaines, donc si c'est les vidéos que vous aimez, ben n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc sur ce, je vous laisse écouter la vidéo puis j'espère que vous allez aimer ça! Pour faire le petit mur de fleurs que j'ai fait, c'était super facile, mais c'est pas facile de vous montrer parce que j'ai utilisé du fil transparent, donc on voit pas grand chose, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc j'ai pris un bouquet de fleurs en plastique du Dollarama et j'ai coupé les plus grandes pétales, donc j'ai vraiment coupé à la base, puis j'ai pas pris ceux qui étaient vraiment au milieu puis qui étaient super tournés là. Je me suis juste occupée des plus grandes pétales. Et là ensuite, avec du fil de pêche, on va venir faire un nœud vers le bas. J'ai même fait un double nœud pour que ce soit un peu plus gros. Puis avec une aiguille, on va passer le fil dans l'aiguille sans faire de nœud. Et on va passer le fil dans la pétale pour la faire descendre où est-ce qu'il y avait le nœud. Et ensuite, on refait un nœud un petit peu plus haut et on recommence l'expérience. Donc ça va faire des lignes avec plein de pétales qui se suivent. Puis vu que c'est transparent, ben ça se voit pas. Puis là, je l'ai accroché parce que j'ai comme un truc électrique là, sur le mur. C'est pas bien beau, donc je l'ai caché. J'avais full hâte de faire de la pâte fimo sur ma chaîne, j'en avais jamais fait. Puis là, aujourd'hui, je vous présente des petites bols que vous pouvez faire qui sont vraiment cute. Donc j'ai pris deux teintes de rose, je les ai déchirées en petits morceaux comme ça. Puis je les ai tous collés un à côté de l'autre. Ensuite, je les ai ramassés en petites boules, j'ai repassé avec un rouleau. Donc il faut juste un peu de patience, là c'est super facile, mais il faut juste que les couleurs se mélangent bien ensemble pour que ça ait l'air d'un effet de marbre là, un peu si on veut. Ensuite, je l'ai découpé en cœurs parce que je trouvais que ça faisait full cute. Puis j'ai dessiné avec un couteau une forme de cœur. Puis je l'ai aussi replié sur lui-même pour vraiment qu'il y ait deux parties égales. Donc ensuite, on vient le mettre dans un bol qui va au four. C'est très important. J'ai enlevé toutes les petites bulles pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Puis on le met au four à 275 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes. Puis après ça, il durcit. Puis on a la forme d'un bol. Donc c'est super facile. Ensuite, j'en ai fait un autre, mais bleu et blanc. J'ai utilisé une autre technique. Mais encore là, il y a tellement de techniques disponibles. Et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de bien mélanger les couleurs ensemble. Puis je pense que cette technique-là marchait un peu mieux. Puis moi, j'ai pris une chandelle pour faire un rond. Puis même chose, on le met dans un bol. Et voilà, c'est vraiment facile. Puis c'est ultra cute. Et personne va les avoir. Ça va être ultra personnalisé. Je voulais vraiment avoir des tableaux de liège dans ma pièce, mais j'en trouvais jamais qui étaient comme super beaux. Puis là, j'ai eu l'idée d'en mettre dans des cadres plutôt. Donc, j'ai acheté deux cadres vides avec des plaques de liège qui se vendent tout seul comme ça au Dollarama. J'ai tracé la grosseur de mon cadre sur la plaque de liège que j'ai découpée avec un exacto. Mais vous pouvez prendre des ciseaux aussi, c'est un peu plus prudent, sinon vous pouvez demander à quelqu'un. Pour ajouter un petit détail de couleur, j'ai mis de la peinture sur comme un peu un genre de triangle. Donc j'en ai fait un en rose et un en mauve. Puis ça rajoute juste un petit détail, mais faites juste attention avec le scotch tape. Il faut vraiment bien presser pour pas que la ligne soit comme mal définie puis qu'il y ait des petits bouts là, qui dépassent puis que ce soit pas ben ben cute. Ensuite, vous allez tout simplement enlever le tape une fois que c'est bien sec et vous allez le rentrer dans le cadre comme si vous allez mettre une photo, mais n'oubliez pas d'enlever la vitre parce que sinon, ben, vous n'aurez pas accès à la plaque de liège. Hein? Donc ensuite, vous le refermez comme un cadre tout simplement, puis vous l'installez au mur ou sur votre bureau, puis voilà! Et finalement, ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'avoir cette grille-là dans ma pièce. Donc, je l'ai achetée sur Amazon. Donc, ça se vend pour environ 30 $, mais on en a deux. Donc, si vous voulez en acheter avec quelqu'un,
Ça vous fait une grille pour 15$. C'est super peu cher. Puis, j'ai tout simplement acheté plein d'accessoires. Donc, j'ai pris un petit panier au Dollarama. J'ai pris des belles petites pinces, des petits mémos. J'ai mis des photos, des polaroids. Puis, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Puis, j'ai même mis une banderole de lumière. Donc, j'ai déposé la batterie de la lumière dans mon petit pot que j'ai fait en DIY l'autre fois. Puis, j'ai déposé le reste des pétales pour le couvrir. Puis, ça fait comme vraiment cute. Puis, c'est full original. Puis, il n'y a personne qui aura ça chez eux, à part moi. C'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que vous avez aimé ça. Vous pouvez faire un like, un thumbs up si vous avez bien aimé et si vous voulez que j'en refasse d'autres. Évidemment, vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos DIY sur ma chaîne bientôt. Donc, faut pas les manquer, il faut vous abonner, c'est gratuit. Alors, vous pouvez le faire. Et on approche bientôt les 200 000 abonnés, donc pourquoi pas vous abonner. Donc, vous me direz si vous avez aimé ça, puis j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, puis on se dit à bientôt. Bye tout le monde!